L'ancien PDG de Insurance 2000 a été mis en détention pour en particulier, viol sur un mineur, et traite des êtres humains. Il a été placé sous surveillance judiciaire. Jacques Boutier a été libéré dans la soirée du lundi 20 mars. A appris mardi France Info à partir de sources proches du dossier. L'ancien PDG de l'assurance 2000, à l'âge de 76 pour viol à mineur et traite avec un humain. La chambre d'enquête, la cour d'appel Paris, a confirmé que sa libération ordonnée par les juges enquêtent en charge l'affaire. En vue son état santé, a confirmé ses sources. Maintenant Jacques Boutier, classé parmi les grandes fortunes françaises, est placé sous surveillance judiciaire. La mesure s'est accompagnée du paiement d'un dépôt de 500 000 euros. A appris que France Info provenant de sources proches du dossier, quittant le territoire français, spécifie une source judiciaire en France Info. Une deuxième enquête s'est notamment ouverte pour l'abus des biens d'entreprise. Tout a commencé avec la plainte déposée à la mi-mars 2022 par une jeune femme alors âgée de 22 ans. À l'avant de la police, elle a déclaré qu'elle avait vécu dans l'un des PDG d'assurance pendant 5 ans. L'ancien PDG de Insurance 2000 est également ciblé par une deuxième enquête ouverte à l'abus des biens d'entreprise et de la dissimulation ainsi que du blanchiment dans un gang organisé. Boutier a utilisé fonds d'assurance 2000 pour financer les activités criminelles, y compris la location des appartements dans lesquels il est soupçonné d'avoir commis faits qui sont déjà accusés.